Et salut tout le monde, c'est Jean-Bloc, on se retrouve pour ce 15e épisode du Routard American Truck Simulator, saison 1. Et vous voyez, hein, comme je l'avais dit dans le précédent épisode, hein, bah les mecs, oui, vous êtes à découvert, bah oui, c'est toi qui m'as foutu à découvert. Vous avez retiré de l'écoute non, c'est vous qui avez retiré. Avec le prêt là. Et là, tu fais le débit, tu fais un prêt de 400 000 pour rembourser le prêt de 100 000. Un peu con. Et là, on est en pleine nuit. Voilà. Et on s'était coincé. On va reculer un peu. On va vérifier qu'on puisse passer par là. Voilà, on peut récupérer. Maintenant, il va falloir une station essence. Parce qu'on a... On s'est reposé. Bon, bah, il fait nuit. Hein. On peut plus profiter du paysage comme ça. Et encore la limite à 70. Ça, c'est un kiff. Donc on n'aura pas assez d'essence hein, pour y aller, hein. Il nous reste une cinquantaine de miles. On risque d'être en panne, donc on va demander, et on va forcément demander à ce qu'on nous file un peu d'essence d'urgence. Parce que 50 miles environ... je trouve ça dommage, hein. Il manque des fois il y a des stations essence qui n'y a pas assez. Hein. Et c'est dommage. Hein. Ah merde. Je me demandais pourquoi il m'avait fait un petit appel de phare. Non, c'est parce que j'avais les pleins phares. Et en plus, là, plus je roule vite, plus je vais consommer. Hein. Je crois que je me suis inséré comme un dingue. Ouais, il y a pas... Je sais pas, il a pas de bon frein, celui-là. 32 miles, hein. Pour faire avec le plein, là. Du moins, avec ce qui reste d'essence. Je suis à deux doigts de regarder quand même la map. Hop. Carte du monde. Une station essence. À 21 miles. En plus, il y avait un truc pour se reposer. Ouais, on a été trop... En plus, on a pris des dégâts à cause de ça. Regardez l'évaluation des dégâts. Il y a la co-assurance en plus. C'est là que je me dis. Il n'y a pas ça dans Euro Truck. Là, on va y arriver. Hein. C'est vrai que ça va être, c'est compliqué quand t'as ce genre de petit oubli d'essence. Parce que j'aurais dû faire le plein avant de partir. Je pense jamais à faire le plein avant de partir parce que des fois je me dis il y a assez. Et des fois il n'y a pas assez. Je devrais faire le plein à chaque fois avant de partir. Je regarde s'il y a des mecs qui me répondent à mes appels de phare. Mais on dirait pas. La station essence tant voulu. Mais là j'ai un souci. Elle est où? Ah d'accord, elle est vraiment sur la droite. Hein. Je croyais qu'elle était à gauche. Hein.
Putain, le prix du gasoil, quand même. Allez, on fait le plein. Putain. Que 148 gallons? Ah ouais, quand même. On s'engage après la voiture. Voilà. Ouais, c'est compliqué des fois là parce que. Ah ouais, que 700. Putain, il a un petit réservoir celui-là. Hein. Par contre, qu'est-ce qu'il suce, hein? Allez. Ouais, va falloir que je trouve une. Des musiques country sur épidémique. Je pensais pas que le moteur il faisait autant de bruit. Parce que j'ai baissé un chouïa la musique, mais j'ai l'impression de pas entendre la musique par rapport au bruit du moteur. Non? Je vais vérifier dans l'audio. Ouais, c'est au bout de 14 épisodes, 15 épisodes, excusez-moi. On se rend compte que le volume il est un peu pété, non? On va les baisser un chouïa. Hein. Voilà. Ah, le turbo, pareil, hein. On va baisser tout ça, ça. Comme ça, hop. Non, on va laisser le bruit de la remorque. Hein. Il est pas gênant. Voilà. Un petit chouïa moins fort. Hein. Pardon. Bon, c'est toujours aussi fort, mais bon. Ah ouais, faut vraiment que j'appuie, hein. C'est rouge pour nous, donc on peut qu'attendre. Ouais, je pense que les lumières là, qui, vous voyez, qui fait un chemin, je pense qu'elles se mettent dans le sens inverse quand ça passe au vert pour nous. Ou non, ça y est pas du tout, et puis je me fais des films. Alors j'aime bien, c'est qu'il n'y a aucun véhicule qui passe depuis tout à l'heure, mais c'est quand même rouge pour notre gueule. Hein. C'est dommage. Hein. Bon, vous vous décidez à passer le vert pour nous, là? Voilà. Ah non, ça change même pas de direction, c'est dommage, hein. J'aurais aimé, hein. Ça aurait fait un petit style en plus. T'as les chiottes de chantier, hein. Toujours à penser, quand vous avez un chantier, toujours à penser aux chiottes de chantier. J'aurais dû le faire plus tôt, hein. Alors le constat, c'est soit je les ai positionnés mal, mon mode d'éclairage, soit il a aucun impact depuis la mage. Ouais.
Après, je me dis que c'est fort parce que. Bah, le. J'ai monté le son, mais non, je trouve que c'est quand même fort par rapport à. Par rapport à ce que ça devrait être. Hein. Oh, c'est les filles que je vais te faire des appels de phare. Oh, le coup. Ouais, bah les routiers sont pas sympas. Hein. Tout à l'heure, je fais des appels de phare aux collègues et ils répondent même pas. Voilà. Ouais, en fait, on s'y habitue un peu. On s'habitue un peu à la cam qui bouge en même temps que le volant. Mais après, on n'a pas vu dans les conditions de parquage, en fait. Quand on va devoir poser la remorque à l'endroit qu'ils vont nous demander. La patate, la patate. La prochaine fois, là, quand je vois un truc qui ressemble à un camion, je fais un appel de phare. À moins que je fasse un appel de phare à lui, non. Mais le coup de klaxon, ça, y a pas de réaction. C'est dommage. Il s'en fout totalement. Par contre, tu mets plein phare et les mecs ils te font des appels de phare parce que t'as mis plein phare. Hein. Bah, 63 miles même, on est bientôt arrivé. Comme quoi, hein. Si j'avais pas dû aller chercher la remorque, je pense qu'on a eu le temps en deux épisodes de faire. Hein. Parce qu'il y avait à peu près une heure de trajet. Par contre, ouais, qu'est-ce que c'est long en fait. Je pensais pas que c'était aussi long sur ce jeu-là. Alors, ils nous ont demandé 30 km hein, quand même. Hein. On est à 45. Mais c'était pour le virage, donc ça va. Hein. On a réussi à le gérer à 45. En fait, je regardais si je voyais mieux. Si en fait, avec les lumières maintenant qui éclairent, parce que oui, j'en ai pas parlé dans le précédent épisode, mais l'éclairage a un peu changé. Donc là, j'ai deux projecteurs qui m'éclairent, plein pot, pour essayer d'avoir le fond vert homogène et tout ça. Oh, de toute façon, là, on va se faire le comment ça s'appelle C'est des plots, hein, mais les plots en béton, hein. Ah, mais cette livraison a été catastrophique, hein, de toute façon, quoi qu'il arrive. Mais ouais, on va essayer de faire le meilleur le parquage le plus compliqué. Parce qu'on est capable de le faire quand on veut. Mais ouais, comme je disais, pour les éclairages, là, ils éclairent chaque côté de mon visage, vous voyez, donc je suis mieux éclairé qu'avant. Et pendant que je fais des déviations sur la route. Ah, il a vraiment respecté
les vitesses que eux ils ont dit. Oh le chien. Vas-y, doucement. Faut que je fasse vraiment attention à mes freins, hein, par contre. Hein. Là, on y arrive enfin. Je peux vraiment. Ah, si, c'est bon, je suis à l'arrêt. On a encore le rouge pour nous. Et hop. Voilà. Parfait. Oh, il reste plus grand chose en plus. Ouais, comme quoi. Hein. Je pensais pas que ça allait durer aussi longtemps que ça, la mission. Hein, en vrai. Et en plus, je me rends compte qu'en activant la, vous savez, la consommation réaliste de l'essence, je me suis foutu dans la merde hein, pour le plein. Parce que quand je mets pas consommation réaliste, les problèmes de plein d'essence, ça m'arrive quasiment jamais. Hein. Alors que en live sur le truc avec le justement d'avoir mis le plein réaliste, tu vois, la consommation d'essence réaliste, c'est plutôt le vrai terme. Bah en fait tu te retrouves à avoir plus de problèmes d'essence qu'avant quoi. Ça va, ils m'ont pas fait chier pour le rouge. Ah, moi je vais les chou les mecs derrière. Chier pour voir. Chier. Bizarre quand même ce coin là. Ouais, j'ai été obligé de freiner au moment. Mais tu fais quoi? C'est vert! Non, mais il y a des fois dans le jeu, elle est débile. Bah ouais, moi je me bouffe la fraction parce que l'autre il s'est arrêté. Il y avait rien qui. C'était à lui de passer. C'est hallucinant des fois cette IA là qui est aux pâquerettes là qui s'arrête en plein sur le truc alors que c'est vert. T'as tout le monde qui avance, elle s'arrête. T'es là, tu fais mais avance un peu. Ah, ça dépend en fait. J'ai dit je ferais le truc pour se garer. Mais ça dépend comment il est positionné. Ah.
Bonjour la sécurité. Est-ce que je peux vraiment le faire? Vas-y, allez. Si je galère, bah je passerai. J'aurais pu gagner 15 XP en faisant le truc tout simple. Mais voilà. J'avais promis. Et puis de toute façon, on doit tester le déplacement de la truc avec le volant. Donc voilà. On tourne tout de suite par là. Ou pas. Mais recule. Voilà. Bah, il en peut plus le... Vous voyez, je vois plus le rétro là. Donc je sais pas si je fais la bonne manip. Donc c'est complètement nul. Ouais, je fais complètement la manip dégueulasse. Hein. Cherchez pas. Donc oui. Pour ceux qui se demandaient, est-ce que c'est pratique de faire une... En fait, il faudrait faire comme ça, vous voyez. Pour pouvoir voir ce rétro-là. Et encore. Si ça fonctionne. C'est pas pratique du tout. Hein. C'est bien ce que je pensais. Hein. Contrôleur, non. C'était ça. Hein. Rétro-éclairage, non, c'est pas ça. Jouabilité, alors. Rotation de la caméra avec le volant marche arrière. Ah ouais. Ce qui fait que quand je fais ça, vous voyez, là tout de suite, le truc, il est bien. Et si je fais ça... On n'oublie pas de rouler très très lentement pour justement réussir la manœuvre. Et tu me le valides pas là? Attends, tu te fous de ma gueule là? Ta remorque, elle est totalement dedans. On essaye un tant bien que mal de la mettre correctement. On redresse ici. Ah, je suis désolé, mais pour moi c'est validé. Hein, ça... Je suis dedans. Satisfaisant, oui les dégâts. Ah, dommage. Ah, on a... Là, je crois qu'on s'en foutait totalement du carburant, mais on va s'en foutre encore. On en rajoutera au moins un. Découvert enfloué, bah ouais, attends, fallait juste finir la mission. Nouvelle pièce disponible.
On va aller voir si on peut pas aller améliorer le véhicule. Bon, un peu là, pour tranquillement finir. Il est là. Voilà. Voilà. Faut ralentir un peu. Bon, de toute façon, je mets des clignotants ici alors que c'est pas vraiment de un tracé de route. Oh, Coca-Cola! Et yo, Coca-Cola! Voilà. Donc, oui, il y a une option pour la marche arrière. C'est cool, ça. Là, on peut rouler à 75, mais t'as pas l'impression, en fait. C'est dommage qu'on voit pas des fois des convois exceptionnels. On est en train de dépasser Coca-Cola, là. Ah non, me fais pas ce coup de chien. Ah bah si. Le truc Coca-Cola qui m'a fait le coup. Il a repris de la vitesse à un moment donné. Voilà. Putain, par contre, c'est bien lumineux dans le coin. Hein. Le diesel 2,33. Plus loin. Truck Country. Ok. Il est où le... Ah, il est là. On va réparer, voire peut-être même améliorer. Hein. T'as 1000 et quelques, hein. Ça va. C'était 7000, hein, et je paye que ça. Hein. Quelle bonne invention la co-assurance. Les châssis, pour l'instant, on touche pas. Hein. Le moteur, on a le plus puissant. Faudrait que je mette des bottes de vitesse de 6 sur les camions, si c'est disponible. On a le meilleur... le meilleur. Hein. Apparemment. Ok. L'intérieur, il n'y a rien à modifier. Ah, ah non, d'accord, c'est juste ça. Ouais. La peinture, on n'y touche pas. Ouais, bah en fait, il n'y a rien, quoi. Il n'y a rien à modifier, malheureusement. Bon, on va s'arrêter ici pour cet épisode. Non.
Ah, vous avez vu, hein, à cause du volant, là, tu le sens tout de suite quand le truc est mal réglé. On va s'arrêter là. J'espère que pour les prochaines vidéos, je vous proposerai de la country, pour être un peu plus dans le RP. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à mettre un like, à commenter. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Nous, on va se retrouver dans prochaines aventures, que ce soit sur YouTube, sur Twitch, sur d'autres jeux, sur celui-là. On verra. Allez, ciao tout le monde.